Mon témoignage, c'est que le Seigneur m'a délivré de l'ignorance. Alléluia. Le vendredi, à la prière, pendant qu'on priait, le pasteur Méné a dit qu'il y a des démons qui sont dans la vie des enfants de Dieu, qui nous empêchent d'évoluer spirituellement. C'est-à-dire, ils sont là et tu peux recevoir des choses, des enseignements, des trucs, mais ils sont là pour voler, même pour te cacher ce que c'est que la vérité. Et pendant qu'on priait, je me dis, aïe, comment, il y a des démons qui sont là pour t'empêcher de grandir spirituellement. Moi, je sais qu'il y a des démons qui sont là pour te dire, pour que tu ne travailles pas, tu ne te maries pas, etc. Mais celle de grandir spirituellement, je ne savais pas. Depuis 2005, j'avais 3 ans, ma maman a donné sa vie à Jésus. Moi et mon grand frère, Dosou Amou, dont les frères appellent Paul Amou. Et on suivait le Seigneur, on grandissait. Et lui, il grandissait spirituellement pendant... C'est vrai qu'il avait l'âge, mais spirituellement, il grandissait, il grandissait. Moi aussi, j'allais à l'église, on était ensemble à la CMCI. On nous enseigne, on nous parle comment étudier la Bible, comment méditer, comment ceci, cela. Et bon, moi, je me dis, bon, comment on va à l'église, c'est normal. Hein? Il faut qu'on va, on lise la Bible, on prie, tout ça. Mais bon, ça, rien ne changeait. Mais mon frère Amou, lui, il était là et il grandissait, il le voyait. Souvent même, il m'assoit, il me demande, ah, mais lui, il fait, depuis, c'est vrai qu'il est grand que moi, mais il fait comment, puis il arrive à faire ça, il arrive à faire ça, il arrive à faire ça. Bon, je me posais ces jeunes questions-là sans le savoir souvent. Et le vendredi, quand on a prié, on priait. J'étais étonné de savoir que ces gens, les démons existent. J'étais surpris même. Ah, un démon pour. Donc, quand on priait, en tout cas, j'ai dit ça, c'est que si c'est comme ça, c'est que sûrement c'est dans ma vie. Donc, on a taillé en pièces. Alléluia! Jésus-Christ. Quand on a fini la prière, pendant la prière même, je baillais, frère. Je sais que les étudiants précédents, le pasteur m'a dit, tu peux bailler, bailler seulement. Ça peut être une voie de délivrance. Et je me suis dit, ah, c'est que si ils sont en train de bailler, c'est que quelque chose en train de se passer. Et je baillais, pendant que les frères sont en train de prier, je baille. Je viens encore dans la prière, jusqu'à ce qu'on finisse. Et quand on a fini, j'étais content, je ne sais pas, il y avait une joie qui était en moi. En tout cas, je me sentais léger, bien, à l'aise par rapport aux autres fois. Et on est arrivé à la maison. Et je suis arrivé à la maison, je me suis mis à prier. Quand j'ai commencé à prier, mon esprit s'est ouvert sur beaucoup de choses. C'est-à-dire, depuis que j'étais petit, tout ce qu'on nous enseignait jusqu'à ce que je grandisse, c'est comme si c'est revenu comme un habit que j'ai porté bien, puis maintenant c'est sur mon genou. Acclamation. Ovations. Jésus-Christ. Jesus Christ. J'avais l'habitude de lire la Bible. On nous dit, lis la Bible. Les agneaux, même, on dit, lis la Bible. On lit la Bible. Moi, je lis la Bible, mais mon cher, on lit seulement pour continuer. Mais je lisais pour lire. Mais depuis le vendredi soir, quand je suis arrivé avant de dormir, j'ai pris ma Bible. Je lisais comme d'habitude avant de dormir. Et même le mot même où on dit, et peut-être il est tombé dans l'eau, puis il est sorti, frère, mes yeux s'ouvrent pour dire, il est tombé dans l'eau, c'est que c'est parce que, voilà. Puis mes yeux s'ouvrent sur beaucoup de choses depuis le jour. Depuis le vendredi, je comprends les choses spirituelles. Comme si le Seigneur maintenant m'a ouvert l'esprit. Alléluia. Frère, et cela me réjouit le cœur parce que le diable m'avait bloqué. Et j'ai compris ça. Que le diable voulait m'empêcher de grandir, c'est vrai. Je suis avec les frères, on nous enseigne, mais si tu ne comprends pas les choses pour les mettre en pratique, c'est impossible pour grandir spirituellement. Et je bénis le Seigneur pour cette délivrance authentique qu'il m'a donnée.
de quitter dans l'ignorance spirituelle, que toute la gloire soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ. Jesus Christ. Nous allons lire. We are going to read quelques passages et nous allons prier. Some passages and pray. Le premier passage se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 6, versets 9 à 12. The first passage is in the book of the prophet Isaiah, chapter 6, reading from verse 9 to 12. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Amen. Ce passage nous révèle comment Dieu travaille. This passage reveals us how God works. Dieu est en train d'envoyer le prophète Isaïe. God is sending prophet Isaiah pour aller prophétiser. To go and prophesy. Pour aller dire au peuple que comme vous n'avez pas voulu écouter. To tell people as you didn't want to listen. Dieu ferme vos oreilles. God is closing your ears. Il ferme vos yeux. He's closing your eyes. Désormais. From henceforth, vos cœurs seront endurcis. Your hearts will be hardened. Vous n'allez plus comprendre la parole de Dieu. You will no more understand the word vous of God. Vous n'aurez plus de révélations. No more revelations. Ça a frappé le prophète. This struck the prophet. Il demande à Dieu, mais jusqu'à quand? He asked God, how long? Parce qu'il sait que quand Dieu maudit, fermer les oreilles de quelqu'un pour qu'il n'écoute pas, qu'il n'entende pas la parole de Dieu, c'est une grande malédiction. Because he knows that when God closes the eyes and the ears of someone for him not to understand the word of God, is a great curse. Et le Seigneur lui révèle que. And the Lord reveals to him that. Je l'ai maudit de cette manière. I cursed you that way. Pour qu'il demeure dans la désobéissance. I cursed them that way for them to. Remain in disobedience. Et que le malheur les frappe. So that unhappiness will strike them. Relis le verset 12. Reread verse 12. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. C'est-à-dire, il n'y a plus d'hommes. Un village désert. That is a deserted village. And no more people. Et je vous dis la vérité. And I tell you the truth. Certaines familles sont déjà exterminées. Les villages, là où il y avait les villages, ce sont les herbes et les arbres. Il n'y a plus de maisons. I tell you the truth. Some families are already destroyed. Where there were villages, it's now the plants. No more people. On dit aux gens, arrêtez la sorcellerie. They tell people, stop witchcraft. Arrêtez de vous provoquer. Stop provoking one another. Arrêtez de vous battre. Stop fighting. Arrêtez d'arracher les femmes de vos frères. Stop taking the wives of your brethren. Arrêtez de vous prostituer. Stop prostituting yourself. Mais ils n'écoutent pas. But they don't give a hearing. Tu vois dans un même village, you tout le monde couche avec les mêmes femmes. Tous les hommes connaissent les mêmes femmes. You see, in the same village, all men sleep with the same women. Quand tu prêches la repentance, when you preach repentance, on murmure contre toi. People murmur against you. Il y a un village au Cameroun. Le frère Zach partait prêcher là-bas. Les gens lancent les cailloux. There's a village in Cameroon. Une ville. Ce n'est même pas un village, une ville. A city in Cameroon where Brother Zach used to go and preach the gospel, and then when he gets there, people stone him. Un jour, ils ont écrasé la poudre de piment. Ils lancent dans la salle. Tout le monde commence à tousser. One day, they launch the powder of pepper, and
this led people to cough. Ils aiment leur péché. They love their sins. Quand c'est comme ça, when it is this way, lis à partir du verset 9. Read from verse 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple. Va, dis à ce peuple. Go, tell these people. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous entendrez, vous ne comprendrez point. You shall hear, but you not understand. Vous verrez et vous ne saisirez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Shall see, but you not catch. Rends insensible le cœur de ce peuple. Rends leur cœur insensible. Make their heart insensitive. Endurcis leur cœur. Harden their hearts. Ah, c'est Dieu lui-même. Avant, toi-même, tu étais un peu endurci. Dieu dit maintenant, allez endurcir bien, bien. It is God himself. In the past, he used to be hardened, comme but il veut, just a bit. But now, God said, comme ils veulent aller en enfer, là, qu'ils aillent à l'enfer. Since they want to go to hell, let them go. Comme ils veulent désobéir, là, qu'ils désobéissent. As they want to disobey, let them disobey. Continue. Continue. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Ne soit point guéri. La conséquence, quand c'est comme ça, toutes les maladies restent dans la vie des hommes. The result is that when it is like this, all the sicknesses quand remain. Quand c'est comme ça, tu vas à l'hôpital, Dieu maudit l'hôpital. When it is like this, even when you go to the hospital, God curses the hospital. Tu vas chez les féticheurs, il maudit les féticheurs. You go to the fetish people, fetish man, he curses them. Il dit, ils ont refusé la conversion parce que je voulais les guérir. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas me suivre, qu'ils restent donc malades. As I wanted to heal them and they say that they don't want to follow me, so let them remain sick. On appelle ça la malédiction divine. Ce n'est pas là ici là, ce n'est pas le diable qui agit, c'est Dieu lui-même qui se lève pour anéantir les rebelles. This is called divine curse. At this level, it is not a man or somebody else, but it is God himself who rises up to bring to nothing the rebels. Certaines personnes dans cet état là demande qu'on leur lise les psaumes. Quand on te lit même les psaumes, tu ne comprends plus rien. Some in this condition ask people to read psaumes to them, and even if you are in this condition, they read psaumes to you, you understand nothing. Certains veulent utiliser les chapelets, ils attrapent même à l'envers, ils ne savent plus que c'est à l'envers. Some wants to use the chapelet and they use it upside down and they don't know that it is upside down. Lis Romains chapitre 1. Du verset 18 au verset 32. Quand Dieu est contre quelqu'un, when God is against someone, personne ne peut te sauver. No one can save you. Tous les péchés sont contre Dieu. All the sins are against God. Et il y a une manière de pécher. And there is a way of sinning. Qui attire la malédiction divine. That draws the divine curse. Quand on tue un être humain, on mange. When you kill a human being and eat. Là, ce n'est même pas. Ce n'est pas le diable qui t'attaque, c'est Dieu t'attaque, Dieu t'attaque. At this level, it's not the devil himself that attacks you, but it's God himself. Cain a tué son frère. Cain killed his brother. Il l'a maudit. He cursed him. Il dit, personne ne pourra te tuer, mais tu vas errer toute ta vie. No one will be able to kill you. You will be wandering all your life long. C'est une malédiction divine. This is a divine curse. Tu seras errant. You will be wandering. Il dit non, je veux faire qu'on va me tuer. Dieu dit personne ne pourra te tuer. He said no, people will kill me. He said no one will kill you. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Je connais des gens qui ont pris des personnes qui ont pris du poison. Elles boivent pour mourir, ils ne sont pas morts. I know some people who took poison to drink in order to die, but they don't die. Après avoir fait la rébellion contre Dieu, tu veux déjà fuir la souffrance. Dieu dit tu ne meurs pas, tu restes comme ça. After rebelling against God, you want to flee from suffering. God said, "No, you will not flee. You will not die." Il y en a qui ont pris l'eau de Javel, ils boivent zéro. Some people take acid and drink nothing. Il y en a qui ont tenté d'avorter, l'enfant est resté. Some tried to abort, but the child remained. L'enfant n'est même pas mort, l'enfant est resté vivant. Ce que tu ne voulais pas voir là, ça défile devant toi toute ta vie. And the child didn't die, he
what you don't want to see is before you all your life long. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de déloyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. Le Seigneur vient de montrer là qu'il n'a pas changé. The Lord has shown in through these verses that he has not changed. De même qu'il avait envoyé le prophète Isaïe prophétiser l'endurcissement à ce peuple rebelle, as he sent prophet Isaiah to prophesy the hardening of heart of that rebellious people, le Saint-Esprit révèle ici que Dieu fait la même chose jusqu'à nos jours. The Holy Spirit reveals here that God does the same thing up to today. Dieu s'est révélé aux hommes à travers l'ouvrage de ses mains, à travers la nature. God revealed himself to man through the works of his hand, that is the nature. Quand tu regardes même un être humain, when you even observe a human being, tu assis, comment je marche, comment je parle, comment you see how I'm walking, speaking. Tu comprends la grandeur. You understand the greatness. La personne qui a créé cet être-là. The person, the one that created that being. Il tient le micro, il marche. He holds the microphone and walks. Les gens. Speak, look at people. Toi-même tu es là. You yourself, you are there. Tes paupières battent. Your eyelashes. Ton intelligence fonctionne. And your intelligence works. Tout ce que Dieu veut. All that God wants, c'est que les hommes se disent, mais celui-ci est puissant. That God wants to see people saying that one is que mighty. Le créateur de celui-ci là est puissant. The creator of this one. Dieu is veut que tu mighty. Regardes le ciel. God wants you to look at heaven. Tu dis, Dieu est puissant. And say, God is mighty. Et que cela t'inspire la crainte. And that this inspire fear inside you. Et que tu te mettes à le servir. And you start serving him. Et Dieu dit, and God says, parce qu'ils ont observé tout ça.
Because they observed all this. Et que au lieu de m'adorer, ils sont partis adorer les oiseaux, les reptiles, les arbres. And instead of worshiping me, they went to worship the birds, the reptiles and the trees. Je leur donne des cœurs mauvais comme ils le désirent. I'll give them evil hearts as they themselves desire. Nos familles que vous voyez là. Our family list that you see vive déjà sous la malédiction. Already live under curse. Quand vous voyez certains, quand on dit Jésus, ils deviennent furieux. When you see some people, when you say Jesus, they become furious. Comme le diable lui-même. As the devil himself. C'est une malédiction. It's a curse. Dieu a maudit leur cœur. God has cursed their hearts. Parce qu'ils ont décidé d'adorer les tortues, les poissons, les arbres, les serpents. Because they decided, les cours, les rochers, les morceaux de bois, Dieu a maudit. Because they decided to worship snakes, tortoises, animals and streams, rivers, God cursed them. Certains frères sont naïfs. Some brethren are unwise. Quand ils découvrent la vérité, when they discover the truth, ils sont heureux. They are blissful, ils happy. Ils courent dans leur village. They run into je the village. Je m'en vais rendre témoignage. I'm going to testify. Quand ils arrivent là-bas, when I get there, on les méprise. They are despised. On les maudit. They are cursed. On les chasse. They are cast on away. On les lapide. They are stoned. Et ils sont découragés. And they are discouraged. Ils vivent des illusions. They a life of illusions. Quand c'est comme ça, when it is like this, ne désespère pas. Do not be desperate. Prie pour eux. Pray for them. Demande à Dieu. Ask God qu'il enlève les bouchons que lui-même Dieu a mis dans les oreilles. To remove those things, that things that he put in their eyes to close their in their ears to close their ear. Tu dis à Dieu, il mérite. That you tell God they deserve. Tu leur as donné ce qu'ils voulaient. They gave them what they desired. Mais accorde-leur la grâce. But grant them your grace. Comme tu m'en as accordé. As you granted me. Permets qu'ils écoutent et qu'ils entendent. Allow them to listen, to hear and to listen and hear. Permets qu'ils entendent et qu'ils comprennent. Let them hear and understand. Permets qu'ils comprennent et qu'ils se repentent. Allow them to understand and repent. Qu'ils se repentent. That they repent. Et qu'ils se convertissent. And that they get converted. Afin que tu les guérisses. So that you heal them. Ils sont dans la misère. They are in misery. Oh Père. Oh Father. La misère est partout. Misery is everywhere. La misère est partout. Misery is everywhere. Dans les maisons. In houses. Il y a des maisons où on baille du matin jusqu'au soir, rien à manger. In there are houses where people yawn from the morning to the afternoon, nothing to eat. Certains sont obligés de se cacher. Some are compelled to hide themselves. Pour manger seul, tout seul le peu qui est là. To eat the little that they have to tu eat. Tu cries à Dieu. To eat it alone. You cry out to the Lord. J'ai vu la misère. That I saw misery. Parce que nous nous sommes détournés de toi. We are living in misery because we turned our back to you. Tu ne les méprises pas. You don't despise them. Parce que toi-même tu fais partie d'eux. Because you yourself are part of them. Tu supplies Dieu. You beseech God. Tu supplies Dieu. You beg God. Tu dis Seigneur. You say Lord. Nous sommes violents. We are violent. Nous sommes violents. We are violent. Jusqu'à ce jour. Up to this day. Mais pardon. But forget. Pardon. Forgive. Pardon. Forgive. Reviens. Come back. Enlève cette malédiction. Remove that curse. Donne-leur des cœurs pour comprendre. Give them hearts to understand. C'est toi qui m'as accordé cette grâce. You are the one who granted me that grace. Et tu dis Seigneur. And he said, Lord, je te bénis. I bless you. Pour toute personne. For all person qui a prié pour moi. Who prayed for me. Vous savez, les pères spirituels sont souvent des grands intercesseurs. You see, spiritual fathers are often great intercessors. Quand tu rencontres quelqu'un, when you meet someone qui connaît la parole de Dieu, who knows the word of God, qui sait que tu es sous la malédiction, who knows that you are under curse, il commence à te parler de Jésus. He start telling you about, speaking to you about Jesus. Et le soir, quand il est seul, and in the afternoon, in the night, when he's alone, il demande à Dieu de pardonner tes raisonnements iniques. He asks God to forgive your sinful
arguments. Quand quelqu'un est sous la malédiction, il pense qu'il est sage. When someone is under curse, he thinks that he's wise. C'est ça que la Bible dit, ils sont devenus fous. That's what the Bible says. They have become mad. Quelqu'un dit, attends, je vais te poser une question. Attends, je vais te poser Somebody une question. Somebody say, wait, I want to ask you a question. Qui est la mère de Dieu lui-même? Who is the mother of God himself? Et puis il rit. And he laughs. Et les autres sous la rient. And the other drinkers laugh. D'autres te disent, moi j'étais au séminaire. The other one will tell you, me, I was at a seminar. Ça te fait mal. It hurts you. Ils sont devenus fous. They have become fools. Et puis, and certains couchent avec les animaux. Some sleep with animals. Les animaux. Animals. Ça c'est les fous, les fous. These are fools. Il y a des gens qui se sont repentis, qui ont couché avec les animaux. Some people repented, they lied with animals. C'est-à-dire, ils commettent l'adultère, ils se masturbent, ils couchent avec les animaux. Ça, il est fou. That is, commits adultery, he masturbates himself and lies with animals. He's mad. Il commet l'homosexualité, c'est un fou. He commits homosexuality, he's a mad. Ils sont c'est dans la Bible, hein, tout ce que je dis. Well, all that I'm saying is in the Bible. Romains chapitre 1, verset 18 à 32. Romans, ils sont devenus fous. Romans chapter 1, reading from 18 to 32, they have become fools. Les fous sont pleins dans nos familles. Many fools in our families. Ils boivent, ils tombent dans les rigoles, ils se réveillent dans les urines, ils se lèvent, ils cherchent où boire. They drink and fall in guts and rise up in their urines and they seek places where to drink. Il y a une anecdote. There is a saying. Quelqu'un a bu. Il buvait souvent. Ce jour-là, il a bu et il est tombé du troisième étage. So, that person used to drink and that day he drank and fall from the third story. On versait de l'eau, on réanimait. They pour water on him to bring him to life. Après, il s'est réveillé. And after he got up, il demande ce que c'était. He asked what happened. On lui dit, tu es tombé du troisième étage. They said that you fell from the third floor. Et il dit, de quel étage faut-il donc tomber pour qu'on me donne une bière? So from which floor shall I fall so that they can give me a beer? C'est un fou. He's a fool. C'est un fou. He's a fool. Donc la parole de Dieu n'exagère pas. So the word of God is not exaggerating. C'est la peinture normale. It's the normal paint. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dieu dit, je les ai livrés. God says, I have delivered them. Dans certains hôpitaux, in some hospitals, l'alcool qu'on appelle l'alcool 90 degrés là, ça manque. Vous savez là où ça part? In some hospitals, alcohol that is they is called 90. Certaines personnes boivent ça. Is missing there. Do you know why? Some people drink it. Ils boivent ça. They drink it. C'est un fait réel. It's a real fact. 90 degrés. 90 degrees. Ils boivent ça. And they drink it. Ils sont devenus fous. They have become mad. Quand tu as un parent qui boit l'alcool 90 degrés, tu penses qu'il va comprendre quel verset biblique? When you have a relative that drinks alcohol 90 degrees, what biblical verse can he understand? Il faut prier pour eux. You just have to pray for him. Tu demandes à Dieu de pardonner. You ask God to forgive. Dieu va t'exaucer. God will grant you. Parce qu'il dit, because he says, je cherche parmi eux. I'm seeking in the midst. Je cherche parmi eux. I'm seeking in the midst. Je cherche parmi eux. I'm seeking in the midst. Un homme. A man. Il y en a qui fuient cette tâche-là. Some people depart. I mean, they flee that task. Parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Because they don't know the will of God. Ce que l'Éternel désire, what the Lord desires, ce n'est pas la mort de ces gens-là. It's not their death. C'est leur conversion. Isaïe 59, je cherche parmi eux un intercesseur. I'm seeking in the midst an intercessor. Ézéchiel 23, je cherche parmi eux un intercesseur. Ézéchiel 23, I'm seeking in the midst an intercessor. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu prends ce poste, if you take this position,
La grâce de Dieu sera sur toi. The grace of God will be upon you. Parce que Dieu aime les intercesseurs. Because God loves intercessors. Dieu aime les hommes que nous voyons dans l'alcool là, on se moque de là. Dieu les aime. Peut-être que vous ne le savez pas. Those ones we see in alcohols, God loves them. Maybe you don't know. Dieu veut les sauver. God wants to save them. Il cherche celui qui va faire comme Jésus. He is seeking the one that will do like Jesus. Par le travail de son âme. By the work of his soul. Jésus a satisfait le cœur de Dieu. Jesus satisfied the heart of God. Il dit, il aura sa part avec les grands. He said that he will have his portion with the great. Parce qu'il a intercédé pour les coupables. Because he interceded for those who are guilty. Frère, sœur, brethren, tu auras ta part avec les grands. You will have your portion with the great. Si tu te tiens devant if Dieu, you stand before God, pour dire à Dieu, to tell God, je sais, I know, qu'il mérite la mort. That I deserve death. Je sais, I know. Tu ne dis même pas qu'il mérite. Tu dis, je sais, I know, que nous méritons la mort. That we deserve death. Je sais, I know, que nous sommes incrédules. That we are unbelief. Je connais nos habitudes. I know our habits. Je connais notre attachement à la bière, à l'alcool. I know our attachment to beer and alcohol. Je connais notre attachement à l'immoralité. I know our attachment to immorality. Oh Dieu, oh God, s'il te plaît, please, pardonne, forgive, libère-les, release them. Qu'ils écoutent les paroles. Let them listen to your words. Comprennent, let them understand, qu'ils se repentent, let them repent, et que tu les guérisses, and that you heal them. Je proclame, say, I proclaim, que ce que le Seigneur désire, that what the Lord desires, ce n'est pas la mort des membres de ma famille, it's not the death of my family, c'est leur conversion, it is their conversion, c'est leur conversion, their conversion. Je proclame, say, I proclaim, que l'Éternel, that the Lord, dans sa miséricorde, in his mercy, cherche un intercesseur, he's seeking an intercessor. Cherche quelqu'un, he's seeking someone, parmi nous, parmi les membres de ma famille, among the members of my family. Si il est écrit parmi eux, parmi he eux. Said in their midst. Ce n'est pas qu'un Chinois vient intercéder pour ta famille. It's not that a c'est Chinese, quelqu'un qui sort de ta famille. It's not that a Chinese comes to intercede for your family. It's someone who comes out from your family. Cette personne-là, c'est qui? And that person, who is it? C'est toi. It's you. C'est moi. It's me. Ne regarde pas à gauche, à droite. Do not look left and right. Isaiah. Dieu a dit. God said. Qui enverrai-je? Who shall I send? Qui marchera pour nous? Who shall walk for us? Isaïe n'a pas regardé que est-ce qu'il y a qui lève la main. Il a dit, envoie-moi. Isaiah didn't look around, but he said, send me. Juges 3, 5 à 11. Judges 3, 5 to 11. Et les enfants d'Israël habitaient au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnaient à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oubliaient l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishathaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishathaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Amen. Ici, here, c'est le même schéma. It's the same Les enfants d'Israël pêchent contre l'Éternel. Children of Israel sin against the Lord. L'Éternel envoie un homme puissant les écraser, les assujettir. The Lord sends a mighty man to crush them, to submit them. Qui les maltraite, qui les fait souffrir. That maltreated them, make them suffer. Au début, in the beginning, ils ne comprennent même pas que c'est Dieu qui les combat.
They did not understand that it is God fighting them. Après un an, deux ans, trois ans, ils commencent à comprendre que cette affaire est difficile. After 1 year, 2 years, 3 years, they start understanding that this is a difficult matter. On ne peut pas se sauver. We cannot be saved by ourselves. Ils commencent à crier à Dieu. They start crying out to the Lord. Lily, ça fait combien d'années? Read how many years? Verset 8. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Couchan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Couchan-Rishathaïm. 8 ans. 8 years. Frère, Brethren, c'est très sérieux. It's very serious. Parfois, ça dépasse. Sometimes it is beyond. Parfois, ça va jusqu'à 70 ans, 100 ans. Sometimes it goes up to 70 years, 100 years. La captivité. Captivity. Ils ont fait ce qui déplaît à Dieu. They did what was unpleasant to God. Dieu les a vendus à Couchan-Rishathaïm. God sold them to Couchan-Rishathaïm. Il a dominé, écrasé. He ruled over them, crushed them. Après, ils ont commencé à crier. And after they started Dieu crying. Dieu est très bon, dites amen. God is very good, say amen. Quand ils ont commencé à crier, when they started crying et out, puis Dieu n'est pas rancunier. God does not bear grudge. Ils ont commencé à crier. They started crying out. Et Dieu a décidé de les libérer. And God decided to set them free. Il a suscité un libérateur. He raised a liberator. Et il a suscité une personne qui pouvait battre Couchan-Rishathaïm. That is, he raised another person who could defeat Couchan-Rishathaïm. La victoire sur Couchan-Rishathaïm, c'est ça qu'on appelle renversement. The victory over that king, that's what we call the overthrowing of principalities. Quand Dieu ordonne l'échec, la chute des puissances qui dominaient sur toi, c'est ça qu'on appelle renverser les principautés. When God commands, orders the downfall of powers that ruled over you, that's what we call the victory of the Lord. C'est pour cette raison que la Bible dit nous renversons les auteurs. That's why the Bible said we bring low the heights. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 à 6. 2 Corinthians 10 reading from verse 4 to 6. Donc tenons-nous debout. So let us stand on our feet. Tu laisses ta famille défiler devant tes yeux. You let your family pass by your eyes. Et si tu es là, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu profites. If you are here and that you have not given your life to Jesus yet, you must take profit of it. Tu vois comment on prie pour toi. You see how we are praying for you. Tu es bien tombé. You have come well. Ton cœur va te dire donc c'est comme ça que ces gens-ci souffrent pour nous. Your heart will tell you, so this is the way these people are suffering for us. Nous sommes en train de vous délivrer. We are delivering you. Les démons qui vous gardent dans l'alcool. From the demons that keep you in alcohol. Vous voyez comment les démons. You see how the demons. Donc, ce n'est pas simple. It's not simple. Tu penses que tu es joli. You think that you are beautiful. Tout le monde veut coucher avec toi. Tu penses que tu es joli. Everybody can lie with you. You think that you are beautiful. Ce sont les démons. It's demons. Dans les desseins de Dieu, une femme doit avoir un seul mari. Quand tu as déjà deux personnes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. In the purposes of God, a woman must have only one husband. But when you already have 2, 3, 4, 5, up to 12. Et plus encore. And even more. C'est les démons. It's the demons. C'est les démons. It's the demons. Quand ça devient un garçon, une fille, plus une autre fille. When it comes to a man with a man or a lady with a lady, ça c'est le satanisme. This is satanism. C'est pour ça que nous prions. That's why we are praying. Pour que tu sortes de là. For you to get out of there. Donc lève tes mains, frère. So raise your hand, brethren. Disons au Seigneur. Let us tell the Lord que nous connaissons nos crimes. That we know our crimes. Nous connaissons nos crimes. We know our crimes. Si tu nous jettes dans le lac de feu maintenant. If you throw at us into the lake of fire now, ce serait juste. It will be
right. Nous t'avons abandonné. We have abandoned you. Qui connaît comment on appelle le vrai Dieu dans sa langue maternelle? Who knows how we call the true God in his mother tongue? Si tu connais le nom du vrai Dieu dans ta langue maternelle, lève la main. If you know the name of the true God in your mother tongue, then raise a hand. Vous voyez? You see? Certains ne connaissent pas parce qu'ils ne connaissent pas leur langue maternelle, mais le nom existe. Some don't know because they don't know their mother tongue, but the name exists. Le nom existe. It exists. Il y a les idoles. There are idols. Mais il y a un nom qui représente le nom du Dieu qui est grand. But there is another name that represents the name of God who is great. Donc tu dis à Dieu, bien que nous connaissons ton nom. So you tell God, though we know your name. Mais nous préférons les autres petits, les reptiles. Nous préférons les reptiles. But we preferred the creeping things. Nous t'avons abandonné ton grand nom. We have forsaken your great name. Pour invoquer le nom des tortues, des lézards. To call upon the names of tortoises. Pour certains, c'est même les termitières là. For some, it's the living place of the ants. Certains adorent même leurs enfants. Some even worship their children. Ce sont les jumeaux, ils deviennent les dieux. They are twins, they become gods, and they offer sacrifices to them. Les enfants que Dieu te donne. The children that God gives you. Tu dis à Dieu, nous sommes perdus. You tell God we are lost. Tu dis, oh Père. You say, oh Father. Ouvre les oreilles. Open their ears. Qu'ils comprennent. Let them understand. Qu'ils se convertissent. And get converted. Et que tu les guérisses. And that you heal them. Prions ensemble. Let us pray together. Sois profond, sois concentré. Be focused. Dis, oh Père. Say, oh Father. Nous avons persécuté ceux qui sont venus en ton nom. We persecuted those who came in your name. Nous avons embrassé ceux qui sont venus par le mensonge. We embraced those who came through lie. Pardon, pardon. Forgive, pardon. Forgive, forgive. Nous avons persécuté tes apôtres. You persecuted your apostles. Nous avons persécuté tes prophètes. We persecuted your prophets. Nous avons persécuté tes pasteurs et docteurs. We persecuted your pastors and doctors. Nous avons persécuté tes évangélistes. We persecuted your evangelists. Nos cœurs sont endurcis. Our hearts are hardened. Continue à supplier. Continue to beg. Oh Father. Les herbes ont remplacé des habitations. Plants have replaced the living places. Continue à prier. Continue à prier. Continue to pray. Dieu oh Père, oh Father, nous sommes anéantis par la malédiction. We are brought to nothing par la because malédiction. Of curse. Nous sommes anéantis par la malédiction. We are crushed by curse. Nous sommes anéantis par la pauvreté. We are crushed by poverty. Nous sommes anéantis par la terreur de la mort. We are brought to naught by the terror of death. Chaque jour, every day, un mort, a death, un mort, a dead. Chaque jour, every day, continue à intercéder. Continue to intercede. Dieu Père, oh Father, nous avons choisi des dieux qui n'apportent aucun secours. We chose gods that bring no help. Qui ne parlent pas. Who don't speak. Qui ne voient pas. Who don't see. Qui ne peuvent guérir. Who can heal. Qui ne peuvent sauver. Who can save. Continue à intercéder. Dieu Père, oh Father. Tu nous as livrés au penchant de nos cœurs. You have delivered us to the inclination of our hearts. Et nous demeurons dans notre folie. And we remain in our world. Oh Père. Oh Father. Nous crions à toi. We cry out to you. Afin que tu accordes la grâce et la miséricorde. That you grant us your grace and mercy. Que tu ordonnes que les oreilles s'ouvrent. That you command that ears be open. Que nos oreilles s'ouvrent. That let our ears be open. Que nos yeux voient. Let our eyes see. Que nos cœurs comprennent. Let our hearts understand. Oh, que nos cœurs comprennent. Oh, let our heart understand. Qu'il y ait des conversions, des conversions. Let there be conversion and
péché soit haï, haï. Let the sin be hated. Que les péchés soient haïs, haïs. Let sins be hated, hated. Que les péchés soient abandonnés. Que les péchés soient confessés. Let sins be confessed. Que les péchés soient confessés. Let sins be confessed. Que les péchés soient abandonnés. Let sins be forsaken. Que les cœurs se convertissent. Let hearts get converted. Que les cœurs se convertissent. Let hearts get converted. Et que la guérison vienne. And let healing come. Et que la guérison vienne. And that healing come. Et que la guérison vienne. That healing come. Continue à crier au Seigneur. Continue to cry out to the Lord. Dieu Père, Dieu Father, agis par compassion, act by compassion, agis par miséricorde, work by mercy, agis par grâce, work by grace, agis, pardonne, pardonne, forgive, pardonne, pardonne, forgive, forgive, ordonne la vie, forgive, ordonne la vie, commend, ordonne life, la vie, commend life, oh Père, oh Father, par ta grâce, by your par grace, tes compassions, by your compassion, par ta bonté, by your love, ordonne maintenant, commend, que les oreilles fermées s'ouvrent, let que les yeux voient, let eyes see, que les cœur comprenne qu'il y ait des conversions, des conversions dans nos familles, des conversions authentiques, 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 authentiques. Que ton règne vienne, let them come. Que ton règne vienne, let your reign que ton nom come. Soit sanctifié, let dans your nos name familles, be sanctified. Que ton nom soit sanctifié, let your name be sanctified. Que ton nom soit connu, oh, let que ton nom soit craint, Lord, que ton nom soit honoré, let your name be honored. Que ton nom soit élevé, let your name be lifted. Que ton nom soit exalté, let your name be exalted. Que ton nom renverse le nom de toutes les idoles. Let your name overflow the names of all the idols. Let all the idols be overthrown. Que toutes les idoles soient brisées. Let all the idols soient renversées. Let all the idols be crushed. Que les idoles soient jetées dehors. Let the idols be cast out. Que les jette au feu, au feu. Let them be cast into the fire. Les masques, les masques, les idoles. Let them mask the idols. Les canaries. Les crânes. Les crânes. Les ossements humains. The human bones. Tous les arbres, les morceaux de bois. All the trees and wood. Les cailloux, les pierres. Les bouteilles, les écorces, les pitons, les serpents, pythons and serpents, tous, all, dehors, outside, continue à intercéder, continue to intercede. Urabakala bakasi kana. Dis, oh Père, oh Father, que le salut vienne, let salvation come, de telle sorte, so that, que les petits enfants vont te connaître, in such a way that the little children see, les petits enfants vont te connaître. Les jeunes gens vont te connaître. Young men know you. Les adultes vont te connaître. Adults know les you. Vieillards vont te connaître. Old men les know pauvres you. Vont te connaître. Poor les know riches you. Vont te connaître. The rich men know les mariés you. Vont te connaître. Les célibataires vont te connaître. Cel- tous, tous, tous. All, sans all, exception. All. Un salut pour tous. Salvation oh Père. All. Un salut pour tous. Salvation un salut pour tous. Salvation un salut pour tous. Salvation continue à prier. Continue à prier. Pray. Dieu Père, say, oh, Father, que les intellectuels te reçoivent. Let intellectuals que les illettrés te reçoivent. Let illiterates receive you. Continue à prier. Continue to pray. Dieu Père, oh Father, que ton salut, let your salvation, vienne avec des guérisons, come with healings, vienne avec des guérisons, come with healings, vienne avec des délivrances, that let me oh Père, with deliverance, continue à prier, oh Father, Oda rabaka rabaka, Oda baka rabaka sibana, Sene baka rama, Sene baka rama, rabaka. Dieu Père, oh Father, tu as dit dans ta parole, you said in your word, que je cherche parmi eux, that I'm seeking in the midst, je cherche parmi eux, I'm seeking in the midst, un homme, a man, qui se tient devant ma face, that stand before dis, me, dis Seigneur éternel, say Lord God, me voici, here I am, me voici, here I am, continue à prier, continue à prier. Dieu Père, exauce-nous, oh say, oh Father, oh Père, exauce-nous, oh Father, answer us, nous voici, here we are, nous voici, here we are, exauce-nous, grant us, exauce-nous. Us. Continue à prier. Continue à prier. Tu peux t'asseoir. You can be seated. Prends 2 minutes pour conclure ta prière en take silencieusement. Take 2 minutes to conclude. 2 minutes to conclude your prayer. S'il y a des personnes spécifiques, if there are specific people. Que tu veux présenter à Dieu. That you want to present to God. Fais-le maintenant. Do it now. Ça peut être ta mère. It can be your mother. Ça peut être ton père. It can be your father. Ça peut être ton frère. It can be your brother. Ta sœur. Your sister. Ton oncle, ta tante. Your uncle, your aunt.
Des personnes spécifiques. Specific people. Des personnes spécifiques. Specific people. Tu peux dire, Seigneur, arrache celui-ci de l'alcoolisme. He say, oh, can say, oh Lord, snatch this one from alcoholism. Tu peux dire, arrache cette. Tu dis, oh Seigneur. He say, oh Lord. Voilà une autre qui est prostituée, professionnelle. Here is another one who is a professional prostitute. Arrache-la. Snatch her. Arrache-la. Snatch her. Holy kabaraka sakarabaka urakabaka rakabaka urubaka sakabaka rakabaka saka. Urubaka sakarabaka sakabaka urubaka sakarabaka saka urubaka sakarabaka sakarabaka saba urubaka rabaka 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 urubaka seya kasaba urubaka seri kabana zimanta yindi yamasinde kibisaita bune o zikan mazaha. Kuri dam sayana. Et si tu es dans la, si tu es ici, and if you are here, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, if you have not given your life to Jesus si yet, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, if you have not given your life to Jesus si yet, tu n'as pas encore donné ta vie à if Jésus, you have not given your life to Jesus si yet, tu vis encore dans le péché, if you still live in sin, tu vis dans le péché, you still live in sin. Tu veux donner ta vie à Jésus. You want to give your life to Jesus. Lève-toi, tu viens maintenant. Rise up and you come now. Lève d'abord ta main que je vois ta main. Raise your hand first so that I can see you. Oui, venez devant ici. Yes, come in the front. Que tout cela vienne devant ici. Let all those ones come in the front. Tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, venez devant ici. All those ici. Who want to give their life to Jesus, let them come. Oui. Yes. Que tout cela vienne devant ici. Let all those ones come in the front. Si tu veux donner ta vie à Jésus. You want to give your life to Jesus. Lève-toi et viens devant ici. Rise up and come in the front. Tu veux donner ta vie à Jésus. You want to give your life to Jesus. Pour sortir de cette malédiction. To get out of this curse. Pour sortir de cette malédiction. To get out of this curse. Pour sortir de cette condamnation. To get out of this condemnation. Lève-toi. Rise up. Et viens. And come. Jésus-Christ. Lève-toi et viens. Rise up and come. Oui, oui, oui. Yes, yes, yes. Toi qui fuis Dieu. You who are fleeing from God. Toi qui préfères les idoles. You who prefer idols. Lève-toi. Rise up. Abandonne les idoles. Forsake idols. Donne la vie à Jésus-Christ. Give your life to Jesus. Tu penses que la vie c'est manger et mourir. You think that life is eating and dying. Lève-toi. Rise up. Donne la vie à Jésus. Give your life to Jesus. Maintenant, now, commence à dire merci à Jésus. Start giving thanks to Jesus. Pour cette première intercession là. For this first intercession. Il visite. He visits. C'est par ici. This way. Tu penses que la vie c'est haïr les gens. You think that life is hating people. Tu te couches dans la haine, tu te réveilles dans la haine. You sleep in hatred and You get up in hatred. Lève-toi et donne la vie à Jésus. Rise up and give your life to Jesus. Tu penses que vivre c'est vivre, c'est commettre l'immoralité. You think that living is committing immorality. Et puis tu n'es même pas difficile. And you are not even difficult. Tous ceux qui te cherchent te trouvent. All those who seek you find you. Une jeune fille m'a dit que quelqu'un l'avait rencontré dans le bus, ils sont descendus. Pour la première fois, ils se sont rencontrés dans un bus. Ils sont descendus pour aller commettre le péché. A young lady told me that for the first time she met a man in a bus, they got down and went to commit sin. Légère, facile. Light and easy. Et puis tu veux faire l'orgueil et tu refuses Jésus. And you want to be proud, refusing Jesus. Lève-toi, donne ta vie à Jésus. Stand up and give your life to Jesus. Comment peut-on qu'on rencontre une fille dans un arrêt bus et puis on l'amène à la maison? How can you meet a lady at the bus stop and you go with her at home? Une fille m'a dit qu'elle ne connaît pas le nom de son père.
A young lady, a lady told me that she doesn't know the name of her father. Sa mère a rencontré son père dans une gare routière. Her mother met her father at a station. Elle n'a même pas demandé son nom. She didn't even ask him his name. Et puis, elle a couché avec le monsieur. Ils ont eu cet enfant. L'enfant, quand elle dit, maman, comment s'appelle mon père, dit que je ne le connais pas. On s'était croisés dans une gare routière. And she slept with that man, and then she got that daughter. And when she asked her mother, her father's name, she said, no, I don't know his name, because we met at the station. Ça, c'est pas la vie. This is not life. Lève-toi, donne ta vie à Jésus. Stand up and give your life to Jesus. Si c'est à cause des choses pareilles que tu refuses Jésus, lève-toi et donne la vie à Jésus. If it is because of such things that you refuse Jesus, you must stand up and give your life to Jesus. Et nous allons arrêter. We are going to stop. Pour prier pour cela. To pray for those who are standing si there. Si tu dois venir. If you have to come. Viens maintenant. Come now. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Is there someone else? S'il y a un démon, if there is a demon, qui veut te retenir, who wants to hold you back? Si c'est assis sur toi, if he is sitting on you, je te libère au nom de Jésus-Christ. I set you free in the name of Jesus. Son emprise. I break his grip. Tu peux venir. You can come. Je brise son emprise. I break his grip. Tu la libères. You release her. Et tu ne reviens plus. And you come no more. Oui, oui, ça c'est bien. Yes, this is good. Qu'est-ce que toi tu attends? What are you waiting? Si c'est un démon. If it is a demon que tu veux respecter, that you want to respect, Jésus t'appelle, tu n'obéis pas. Jesus is calling you, you don't obey. Mais un démon te dit ne va pas et tu obéis. A demon tell you don't go and you obey. Lève-toi et viens. Rise up and come. Je dois te parler maintenant comme on parle aux démons. I now want to speak to you as we speak to the demons. Toi qui as le cœur endurci. You who have a heart. Lève-toi et viens. Rise up and come. Où es-tu? Where are you? Je brise l'emprise du démon sur toi. I break the grip of the demon on you. Lève-toi et viens. Rise up and come. Il y a encore quelques personnes retenues par les mauvais esprits. There are still some people who are retained by demons and spirits. Je t'arrache des mains des démons. I snatch you from the hand of the demon. Je t'arrache des mains. I snatch you. Je t'arrache des mains. I snatch you from the hands. Gorabakashara. Satan, va-t'en vite. Satan, depart. Je brise la prise. I break your grip. Je t'arrache. I snatch you. Des mains des démons. From the hand of the demons. Des mains des démons. From the hands of the demons. Je brise ta complicité avec les démons. I break your complicity with the demons. Oui, amène-la directement devant. Yes, come her, come with her straight. Vous chassez l'autre démon, vous l'amenez forcément. You cast the other demon. Là, c'est lui, Jésus. Lève-toi et viens. Rise up and come. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. The Lord is speaking to someone. La personne ne voulait pas recevoir Jésus. The person didn't want to receive Jesus. Mais le Seigneur lui dit, donne-moi ta vie. But the Lord tells him, give me your life. Où es-tu? Where are you? Lève-toi promptement, tu viens devant. Stand up and come in the front. Dieu dit, God says,
Il les a livrés aux penchants de leur cœur. He delivered them to the inclination si of their hearts. Si tu ne veux pas venir, if you don't want to come, Dieu peut te livrer. Il peut te dire, fais ce que tu veux faire. Can deliver you. He can say, do what you want to do. Et là, tu vas perdre. And there you will lose. Acclamations. Ovations. Il y a quelqu'un qui doit venir. There's someone who should come. Une personne. One person. Peut-être que tu es rétrograde, perdu, perdu. Tu as perdu l'espoir. Maybe you are a backslider. You have lost hope. Le Seigneur veut que tu reviennes. The Lord wants you to come back. Le Seigneur veut que tu reviennes. The Lord wants you to come back. Levez vos mains. Raise your hand. Satan est vaincu. Satan is overcome. Et répétez après moi. Repeat after me. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Me voici devant toi. Here I am before you. Je te donne ma vie. I give you my life. Les frères ont prié pour moi. The brethren prayed for me. Et tu as exaucé. And you granted. Me voici. Here I am. Écris mon nom dans ton livre. Write my name in your book. Lave-moi. Wash me. Purifie-moi de tous les péchés. And clean me from all my sins. Purifie-moi. Cleanse me. Lave-moi, lave-moi. Wash me. Sanctifie-moi. Sanctify me. Tiens-toi, lève les mains, tu commences à prier avec les autres. Raise your hand and start dis, praying oh, with pardonne-moi. Say, oh, forgive me. Pardonne-moi les péchés. Forgive my sins. En parole, in en words, pensée, in thought, en action. And in action. S'il te plaît, Seigneur. Please, Lord. Aie pitié de moi. Have mercy on s'il me. S'il te plaît, Seigneur. Please, Lord. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Aie pitié de moi. Have mercy on je me. Ne suis rien. I'm nothing. Je ne suis rien. I'm nothing. Mais toi, tu m'aimes. But you love me. Tu m'aimes. You love me. Tu es mort pour moi. You died for me. À la croix. On the cross. Pour que j'aie la vie. For me to have life. Pour que j'aie la vie. For me to have life. Seigneur Jésus. Lord Jesus, donne-moi la vie. Give me life. Je décide. I decide de laisser les péchés. To abandon sins. De marcher avec tes to enfants. To walk with your children. D'étudier la parole de and Dieu. And to study the word of God. D'obéir à ta parole. Obey your word. Tends ta main et bénissons-les. Stretch your hand and let us bless plus dans le monde. Let them go back in the world no more. Bénis le Seigneur pour ceux qui que les démons voulaient retenir. Bless the Lord for those the demon wanted to hold back. Bénis le Seigneur pour il était patient. Bless the Lord because he was patient. Que le plan de Dieu s'accomplit dans leur vie. Let the purpose of God, the plan of God, tout be fulfilled de in their life. In their life. Que les démons qui sont dans leur vie disparaissent. Let the demons that are in their life disappear. Que les maladies guérissent. Let them be healed. Que la malédiction s'éloigne d'eux. Let curse depart from them. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que ceux qui sont malades soient guéris. Let those who are sick be healed. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Thank you Lord. Amen. Amen. Donnez-leur des chaises. Give them chairs. Acclamation à Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Acclamation. Clap for Jesus. À Jésus-Christ. Clap for Jesus. Offrande d'acclamation. Clap offering. Des grandes acclamations. Clap offering. Avec des cris de victoire. Shout of victories. Alléluia. Praise the Lord. Et les petits enfants, acclamation and pour Jésus. Children, clap for Jesus. Alléluia. Vous êtes merveilleux. Acclamez encore pour Jésus-Christ. You are wonderful. Clap once more for Jésus-Christ. Maintenant, toute l'assemblée acclame pour Jésus-Christ. Now all the assembly clap for Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Maintenant, étant assis. Now being seated. Ouvre la porte pour que l'évangile entre chez toi. Open the doors so that the gospel gets into l'évangile de Jésus, l'évangile authentique. The genuine gospel of Jesus. Ça va s'accomplir. It will be accomplished. Prions ensemble. Let us pray together. J'ouvre la porte pour que l'évangile entre dans la porte. Dis, oh Seigneur, envoie les ouvriers. Say, oh Lord, send oh, envoie les ouvriers. Send your workers. Envoie les vrais disciples. Send the true disciples. Envoie les disciples. Send disciples. Tes vrais disciples. Your true disciples. Continue à prier. Continue to pray.
demande que les Bibles, les livres, la littérature chrétienne, les traités entrent massivement dans ta famille. Pray that Bibles, tracts and Christian literature gets massively in your family. Prions que les missionnaires, les vrais missionnaires formés par le Seigneur Jésus lui-même, entrent dans ta famille. Pray prions that ensemble. Missionaries, true missionaries, trained by the Lord Jesus Himself, enter your family. Oh, la bakaso karabaka se karabaka so karabaka saka. Oro bakase karabaka oro bakaka serabaka. Oro bakase karabaka soro bakase kabaka. Oro bakase kabaraka se kaba. Oro bakase kaba zikabara. Pray que le Seigneur bénisse notre entreprise missionnaire. That the Lord blesses our missionary enterprise. Notre ministère a des missionnaires dans les villages, les villes. Our ministry has some missionaries in villages, in cities, dans les nations. In nations. Prions que cette entreprise-là soit capable d'envoyer des missionnaires dans nos villages. Let us pray that this, dans nos familles. This work should be able to send missionaries in our families. Ou d'envoyer des missionnaires qui vont atteindre nos familles. Or to send missionaries that will reach our families. Prie qu'il y ait des hommes et les fonds, l'argent, les hommes et les fonds. Let us pray that we can have men and funds. Dans chaque nation. Prions ensemble. In each nation. Oh, la bakasoro bakasaga bakasoro bakasaga baka. Oro bakasaga baka, oro bakasaga baka, oro baka. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier que Dieu bénisse les autres œuvres. We are going to pray that the Lord blesses the other works qui travaillent dans la vérité, who work in truth, qui sont en contact avec les membres de nos familles, who are in contact with the members of our families. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a d'autres enfants de Dieu sérieux. There are other serious children of God qui peuvent rencontrer les membres de nos familles et les convertir authentiquement. Who can meet the members of our family and convert them genuinely, sans voler leur argent, without stealing their money, sans dire Dieu dit, without saying God says, il faut semer, you must sow, il faut bâtir l'autel, you must build an altar, 150,000, 150,000, tu pleures dessus, tu apportes, you cry on it and you bring it. Je suis allé quelque part, I went somewhere, j'ai un grand de l'armée. We are at a high-ranked man in the army. Sa fille faisait la dépression. His daughter was suffering from depression. Un prophète lui a dit que comme c'est la dépression, il faut un outil intelligent, il faut l'ordinateur, il faut m'offrir un ordinateur portable. A false prophet said that as it is a question of depression, you must offer me. Comme ça concerne l'intelligence. As it has to do. Il faut un outil intelligent. As it has to do with intelligence, then bring a tool that is an intelligent tool. Ordinateur portable. And a laptop. Ils ont offert. They offered. Donc j'étais chez eux quand ils m'expliquaient leurs problèmes. So I was at their house when they were explaining this the problem. Et le père me dit. And the father told me, voici ce qu'un prophète a demandé. This is what a prophet asked. J'étais en train de lui dire que ça, ce n'est pas Dieu qui a parlé. I was telling him that this is not from God. Et un autre message est tombé. And another message came. Il me dit, ah, c'est lui qui vient d'envoyer notre message. He said that he's the one who brought this message, another message. Le message disait que Dieu a refusé le don. Il faut aller apporter un autre. The message was saying that God refused the gift. Go and bring another one. Je lui ai dit non, Dieu ne demande rien, c'est fini, tu es délivré. I told him no, God is not asking you anything, it's finished, you are delivered. Qu'est-ce que je veux dire? What do I mean? Il y a des gens, nous devons prier qu'ils ne rencontrent pas les membres de nos familles. There are people we should pray that they should never meet the members of our families. Mais il y en a. But there are some. S'ils sont là-bas, tu les bénis. If they are there, you are blessed. Parce qu'ils font la même chose. Because they do the same thing. Ils connaissent le même Jésus. They know the same Jesus.
Et ils savent comment faire pour que quelqu'un ait la vie éternelle. And they know how to do so that someone can have eternal life. En nous bénissant, bénissons-les. While blessing us, let us bless them. Prions ensemble. Let us pray together. Père, bénis toute personne. Lord, bless any person. Quel que soit son ministère. Whatever his ministry. Pourvu qu'il soit établi dans la foi. Provided he is established in faith. Servant le vrai Jésus de Nazareth. Serving the true Jesus. S'il est en contact avec nos personnes de nos familles. With members of our families. Bénis ce contact. Bless this contact. Qu'il en résulte la conversion totale. Let it result total conversion. Qu'il en résulte la vraie repentance. Let it result true repentance. Qu'il en résulte la persévérance dans la foi. Let it result perseverance. La maturation en Christ. Maturation in Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Tu fais des proclamations. You make proclamations. Dieu, Père, je vois ma famille convertie. Oh, je vois ma famille convertie. I see my family. Père, je vois l'Évangile entrer. I see the gospel. Je vois les traités. Je vois les livres. Je vois les Bibles. I see je vois la gloire de Dieu. Tract for the glory je vois of la gloire de Dieu. I see the glory of God. Je vois la fidélité de Dieu. I see the faithfulness je contemple of God. I behold le réveil. The revival. Tu dis, oh, les rétrogrades reviennent, les rétrogrades reviennent. Oh, backsliders are coming. Dis, les rétrogrades reviennent. Backsliders are coming. Dis, oh, l'alcool est abandonné, versé. Oh, alcohol is forsaken. L'alcool est abandonné, versé. Rap forsaken. Dis, oh, la cigarette est écrasée, brûlée, yeah. Écrasée, brûlée. Cigarette. Crushed. Oh, la bière est brisée, cassée, jetée dans les rigoles. Broken. Oh, Dieu, je vois le temps de la grâce. So I see the time of grace. Je vois le temps de la grâce. I see the times of le temps de bénédiction. Times of le temps de délivrance. Times of deliverance. Le temps de paix. Le temps of peace. Le temps de concorde. Times of peace. Le temps de réconciliation. Times of reconciliation. Le temps d'amour fraternel. Times of brotherly love. Le temps du règne de Jésus de Nazareth. Times of the reign of le temps du règne de Jésus de Nazareth. Times of the reign of Jesus of Nazareth. Jésus Christ. Jesus. Amen. Amen. Tu gardes le calme. You keep silent. Hallelujah. Praise the Lord. Lis pour nous Ephésiens. Read for us Ephesians. Chapitre 6. Chapter 6. Verset 11 à 18. Reading from verse 11 to 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Priez pour. Pray for all the saints. La guerre. The war, pour que les âmes soient sauvées, for souls to be saved, est réel. Is real. C'est pour cette raison que Jésus nous a équipés. That's why Jesus has equipped us. Il a dit, il nous a donné son pouvoir. He said that he gave us his power. Pas pour manger le placali avec. Not to eat placali with it. Pour aller en guerre. But to wage war, to go to war. Pour marcher sur les serpents. To trample on snakes. Et sur les scorpions.
and scorpions. Si quelqu'un te dit que les serpents n'existent pas, il faut te détourner de lui. If someone tells you serpents, snakes do not exist, you must turn your back to him. Il veut te tromper. He wants to deceive you. Jusqu'à ce qu'un jour tu te retrouves avec le Satan dans ta gorge. Until one day, un python dans la gorge. Until one day you find yourself with Satan in your throat, that a big python in your throat. Satan existe. Satan exists. Frère, et il se promène. Brethren, and he's wandering. Il n'est pas encore dans le lac de feu. He is not in the lake of fire yet. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Il a dit à Dieu. He told God. Je viens de me promener sur la terre. I have wandered on earth. Dieu lui a dit. God told him. Tu as vu Job? Have you seen Job? Oui, je l'ai vu. He said, yes, I saw him. Je l'ai vu. I saw him. Tu le protèges. You protect him. Dites hallelujah. Say hallelujah. Il dit à Dieu que tu le protèges. He said, he told God, you protect tu him. Tu protèges ses enfants. Tu protèges ses biens. You protect his children and his wealth. C'est pour ça qu'il te craint. That's why he fears you. Mais il se trompait. But he was deceiving himself. Job aimait Dieu. Job loved God. Dis j'aime le Seigneur Jésus. Say, I love the Lord Jesus. Dis je combats les combats du Seigneur. Say I fight the fights of the Lord. Toutes les principautés qui règnent sur les familles. All the principalities that rules over the families sont nos adversaires. Are our opponents. Quand tu déposes un traité, when you give a tract, c'est elles qui disent à la personne ne lis pas, ne lis pas. It is the principalities that tell the person don't read, don't read. Un jeune homme a rendu témoignage ici. A young boy testified here. Il était étonné. Son frère grandit seulement. Son frère he grandit. Was astonished. His brother was growing. He's only growing. Il était étonné. He was astonished. Il était là lourd. He was there heavy. Passive. Passive. L'autre jour, il dit que c'était quand vendredi. The other day, that is Friday. C'était quand? When? Friday. On a frappé les principautés. We struck and struck the principalities. Elles sont tombées. They fell. Là, le ciel est ouvert au-dessus de lui. Heaven is opened upon him. Il prend la Bible. He takes the Bible. Ah non, il comprend la révélation. He now understands the revelation. Il est léger. He is light. Il est engagé. He is committed. C'est ça. This is it. Notre travail. Our work. Nous devons libérer le ciel. We must release heaven. Pour que Dieu parle aux hommes. So that God speaks to people. Que les hommes entendent sa voix. And that men hear his voice. Jésus dit. Jesus says. Comme le Père m'a envoyé. As the Father sent me. Moi aussi je vous envoie. I too send you. Chaque jour. Every day. Jésus allait prier. God, Jesus went to pray. Jésus avait quel problème? What was his trouble? Il avait quel péché? What was his sin? Il priait donc pourquoi? What was he praying for? Pour nous. For us. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Si tu es disciple de Jésus, if you are a disciple of Jesus, fais la même chose. Do the same thing. Tenons-nous debout. Let us stand on our feet. Frappons à gauche à droite. Let us strike. Frappe en haut, left, frappe en right. Bas. Up and down. Dis nous anéantissons. Say we bring to nothing. Tous les esprits. All the spirits. Les dominations. Of les autorités. Authorities. Les princes des ténèbres. Princes of les darkness. Les principautés sataniques. Satanic quel principalities. Quel que soit le nom. Whatever the name. On peut leur donner. Whatever the name nous they bear. Nous levons. We remove them. Contre tout esprit. We rise up against any spirit. Qui peut se lever au-dessus de nous. We can rise above us. Pour fermer le ciel au-dessus des hommes. To block heaven upon above people. Pour les garder condamnés dans l'alcoolisme. To keep them condemned in dans alcoholism. Dans la prostitution. In prostitution. Dans une marche chrétienne fleque-fleque. In Christian life. Une marche paresseuse comme l'escargot. In Christian life. Christian life nous, like the snake. Nous les renversons. We pull them down. Nous les renversons. We pull them down. Nous brisons leurs différentes chaînes. We break their different chains. Nous détruisons leurs liens. We destroy their liens. Nous les désorganisons. We disorganize nous, them. Nous secouons le sol. We shake. Nous secouons les cieux. We shake heaven. Nous secouons les eaux, la terre. We shake. Nous bouleversons les montagnes. We shake nous mountains. Les déracinons. We uproot them. Point de paix pour le méchant, point de paix pour le méchant. No peace for the wicked one. Point de repos, point de paix, point de repos, point de paix. No peace for the wicked one. Tout esprit impur. Any impure spirit. Ennemi de la gloire de Dieu.
enemy of the glory of God. Nous dispersons, nous renversons tout esprit humain, ennemi de la gloire de Dieu. Nous dispersons, nous renversons toute puissance, toute puissance des ténèbres. Nous renversons, nous renversons, nous dispersons, nous renversons, nous dispersons, nous foudroyons. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous ordonnons la délivrance. La délivrance totale de tous les captifs. De tous les captifs. De tous les captifs. De tous les captifs. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Dieu, au nom de Jésus, nous rendons possible, we make possible la conversion des familles entières. The conversion of entire le père, la mère, les enfants, father, mother, children, les petits-enfants, little children, les familles entières, entire families, arrière-grands-parents, grands-parents, père, mère, father, enfants, mother, petits-fils, petites-filles, des familles entières, des familles entières, entire families, des familles entières, des familles entire entières. Dieu, au nom de Jésus, in the name of Jesus, nous rendons possible. Possible. Le salut de tout un village, the salvation of du chef de village, of each village. Et aux notables, oh, et à tous les habitants du village, les villages entiers, les villages entiers, avec la destruction de toute idolâtrie. With the destruction of all idolatry. Continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Ora baka baka jer baka go baka jer baka go baka jer baka. Ora baka jor baka go baka jer baka la baka jer baka. Si nous proclamons que c'est Jésus-Christ, that is Jesus, le chemin, the way, la vérité, the truth, et la vie, and the life, c'est Jésus-Christ, Jesus, le chemin, the way, la vérité, the truth, et la vie, and the life, et la vie. And life. Continue à prier, continue, continue à prier. Jésus-Christ. Jesus Christ. Amen. Amen. Tu t'assois. Get seated. Tu prends tes 10 sujets. You take your 10 topics. Pour ceux qui viennent d'arriver. For those who have just come. C'est le moment où tu dois demander quelque chose à Dieu. Now is the time for you to ask something to God. Tu peux aller jusqu'à 10. Ce n'est pas que c'est interdit de dépasser. It is not forbidden to go beyond, but mais c'est pour t'apprendre à discerner les vrais besoins. Is to teach you to discern the true needs. Et Dieu and God va répondre. Will grant you. Si tu avais 10 demandes. If you had 10 topics. Comme le frère Beaupierre. And as brother Frère Pierre. Et qu'une est déjà exaucée. And one is already granted. Tu présentes les autres qui restent. Present the others. Tu rends grâce pour là où tu as été exaucé. You give thanks to God for the one for which you have been granted. Après cela, after that, nous allons adorer le Seigneur. We are going to worship the Lord. Parce qu'il est, il nous aime. Because he loves us. Il nous fait du bien. He does good to us. Pendant que tu travailles, while you are working, le Seigneur peut décider de chasser un démon. The Lord can decide to cast out a demon. Ce que tu lui demandes, what you ask him, peut nécessiter une intervention même dans les eaux. May need an intervention even in the waters. Il va le faire. He will do it. Ce que tu demandes, what you ask, peut nécessiter une intervention même dans le séjour des morts. Can need an intervention even in Hades. Et il va le faire. He will do it. Il va descendre là-bas. He will get down there. Frapper. Strike. Et te donner la victoire. And give you victory. Ce que tu demandes, what you are asking, peut exiger un combat dans les lieux célestes. Can require
fight in heavenly realms. Et il va frapper. He will strike. Il a dit à ses disciples. He told his disciples. Je voyais Satan tomber comme un éclair. I saw Satan falling down as a lightning. Pendant que tu es devant lui. While you are before him. Il peut être en train de travailler pour toi. He can be working for you. Dans la profondeur. Dans la profondeur des eaux. Deeply down in the water. Dans la profondeur des abîmes. Deeply down in the abyss. Dans les rochers, les montagnes, les forêts. In the rocks, mountains. Lui, il sait tout. He knows all. Il peut tout. He can do all. Il le fait rapidement avec vitesse. He do it speedily. Demande avec foi. Ask with faith. Demande et reçois avec foi. Ask and receive with faith. Demande et reçois avec foi. Ask and receive with faith. Demande et reçois avec foi. Ask and receive with faith. Oh. Ça peut être une maladie. It can be a sickness. Peut-être qu'on t'a dit que ce n'est même pas possible. Maybe you've been told that it is not even ton possible. Ton cas n'a pas d'espoir. There is no hope for your case. Dis ça à Jésus. Tell it to Jesus. Dis Seigneur. Say Lord. Mon combat est arrivé. My fight has come. Au niveau où tu dois me parler, tu dois me montrer les choses cachées. Has come to the level where you must speak to me and show me hidden things. Dis Seigneur. Say Lord. Tu as dit que je te demande les choses cachées, tu vas me les révéler. You told me that I should ask hidden things and that you will reveal them to me. Dis, je ne veux pas tâtonner. Oh, say Lord, I don't want to grope about. Parce que je sers un Dieu vivant. Because I'm serving a living God. Révèle-moi les choses cachées. Reveal me hidden things. Continue à prier. Continue to pray. Un miracle va se produire. A miracle will be produced. Dis au Père. Oh Father. Mon combat a atteint. Le niveau. My fight has reached the level. Il faut que tu me révèles ce qui est caché. At which you need to reveal to me what that which is hidden. Ce qui est caché. Reveal to me that which is hidden. Tu me révèles ce qui est caché. Reveal to me what that which is hidden. Prie en langue. Pray in tongue. Ora bakashara bakashara bakashara. Ora bakashara 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 bakashara. Ora bakashara bakashara bakashara. Ora bakashara bakashara. Révèle-moi ce qui est caché. Reveal me that which is hidden. Dans mon cas spécifique. In my specific case. Je veux une liberté totale. I desire a total freedom. J'ai besoin de lumière. I need light. J'ai besoin de révélation. I need revelation. Continue à crier. Continue to cry out to the Lord. Holy bakala masama kere bala zenikemia 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 ele nama isamuli ori sebe. Seigneur, say Lord, je veux te connaître. Je veux te connaître pour mieux te servir. In order to serve you well.
Oui, dis Seigneur, je veux te connaître, je veux te connaître. Oh, say, oh Lord, I want to know you. Hori kabara kora baka shoro baka hara baka joro baka hara baka shoro baka goma baka joro baka goma baka joro baka hara baka joro baka goma baka joro baka hara baka joro baka goma baka joro baka hara baka joro baka goma baka joro baka. Merci Seigneur. Thank you Lord. Dis merci Seigneur. Say thank you Lord. Dis merci Seigneur. Say thank you Lord. Maintenant prie que s'il y a un mauvais esprit. Now pray that if there is an evil spirit qui se dit ils vont bientôt finir, who is telling himself they will soon be over, il faut que je reste calme. I must remain silent. Il n'y a pas de paix pour le méchant. There is no peace for the wicked one. Point de paix pour le méchant. No peace for the wicked one. Si tu es un esprit méchant, if you are a wicked spirit, manifeste-toi, va-t'en. Manifest yourself and depart. Vite. Speedily. Si tu es un esprit impur, if you are an unclean spirit, tu ne peux pas te cacher. You cannot be hidden. Tu es exposé. You are exposed. Va-t'en vite, vite. Go speedily. Jésus-Christ t'a vaincu. Jesus overcame you. Depuis que Jésus est entré dans ce monde avec la lumière. Since Jesus came into this world with light. Toute la puissance des ténèbres est finie. All the powers of darkness. Et Jésus a dit, and Jesus said, que tu dois fléchir le genou. That you will kneel. Tu dois obéir. That you will bow down. Exécuter, partir. Et toute âme que tu tiens captive, any soul that you keep in captivity, doit être libéré. Must be free. Quel que soit ce que tu faisais, whatever what you were doing. Même si on t'avait envoyé, even if you've been sent, même si on t'a offert beaucoup de sacrifices, even if you've been offered for sacrifices, même si on a versé le sang humain pour que tu restes là, even if human blood has been shed for you to remain, même si on a versé le sang des poulets, le sang des animaux, even if the blood of animals and chickens have been shed, même si on t'a adoré avec les excréments humains. Even if you've been washed with human excrement, va-t'en vite, depart speedily. Tout ce qu'on a pratiqué pour te donner l'autorité, all that has been practiced for you to have authority. Oui. Même si on t'a adoré avec les poulets, even if you have been worshipped with chickens. Tout cela est brisé. All this is broken. Tu dois partir. You must go. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Même si on t'a adoré avec l'alcool. Even if you have been worshipped with alcohol. Va-t'en. Depart. Même si on t'a adoré avec l'inceste. Even if you've been worshipped with incest. Va-t'en. Depart. Même si on a fermé la porte pour que tu ne rentres plus. Even if the door has been closed. Casse cette porte. We break that gate. Tu vas sortir et partir. You will get out and go. Kourabaka sharabaka. Tout esprit qui tourmente une vie, any spirit that torment a life, si tu es un esprit, if you are a spirit qui tourmente une vie, that torment a life, va-t'en vite, sors, but quickly get out, va-t'en vite, vite, go speedily.
Je brise ta résistance. I break your resistance. 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 Même si on t'a adoré avec le sang humain. Even if you've been worshipped with human blood. Tu es jugé. You are judged. Jésus t'a vaincu à la croix. Jesus overcame you on the cross. Même si tu es caché sous un rocher. Even if you are hidden under a rock. Jésus-Christ. Jesus. Même si c'est sous le rocher. Even if it is under the rock. Va-t'en. Go. Même si on t'a dit cache-toi. Even if you've been told hide yourself. Je t'expose. I expose you. Tu ne pourras plus te cacher. You will no more be able to hide. Ora baka shara ga baka shora ga baka shara ga baka shora ga baka shora ga baka shara ga baka ora baka shara ga baka la ga baka shora ga baka shara ga baka shara ga baka ora baka shora baka shara ga baka shora ga baka shara ga baka ora baka shora baka shara ga baka shora ga baka ora baka shora ga baka shara ga baka shara ga baka ora baka shora ga baka ora ga baka shora ga baka shara ga baka shora ga baka ora ga baka shora ga baka la ga shara ga baka esprit impur. Unclean spirit. Va-t'en, 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 va-t'en. Go, be gone. Va-t'en, vite, vite, vite. Be gone. Va-t'en, va-t'en. Go, speedily. Sors et va-t'en. Get out and go. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous dirigeons le jugement. We lead the judgment sur tous les lieux où il y a eu des pratiques contre nous. On all the places where there have been practices against us. Même si c'est à des milliers de kilomètres. Even if it is a thousand of kilometers. Nous brisons tous ces enfoutements. We break those bewitchments. Nous commandons le feu contre ces lieux. We command fire against these places. Dis le feu de Dieu contre ces lieux. Say the fire of God against those places. Dis le feu de Dieu contre ces lieux. Say the fire of God against those places. Regardez le calme. Keep quiet. Personne ne pourra se cacher. No one will be able to hide. Esprit des eaux. Spirit of waters. Toi qui viens des eaux. You who are coming from waters. Qui veut rester. Who wants to remain. Parce que tu n'as où aller. Because you don't have any place to go, anywhere to go. Va-t'en. Go. Tu veux rester. You want to remain. Parce que tu n'as où aller. Because you have nowhere to go. Va-t'en. Go. Que tous les autres qui sont comme lui s'en aillent. Let all the others who are like him go. Suis-la. Si tu vous êtes du même royaume, du même quartier, va. Suis-la. Of the same quarter or kingdom, follow her. Si vous venez de la même eau, partez. If you are coming from the same water, depart. Si vous venez de la même eau, partez. If you are coming from the same water, go. Partez. Go.
Si tu sais que tu viens de la même eau, va. If you know that you are coming from the same water, go. Va. Go. Suivez les autres. Allez. Follow the others and go. Et ne revenez plus jamais. And do not come anymore. Ne revenez plus jamais. Come no more. Partez, partez, partez. Depart, depart, depart. Partez, partez, partez. Depart. Kura kapaka shurga kapaka sharga kapaka shurga kapaka laga sharga kapaka. Kura kapaka laga shurga kapaka shurga kapaka shurga kapaka. Nous brisons tous ces liens. We break all those ties. Nous ruinons votre empire. We destroy your empire. Nous vous dispersons. We scatter you. Nous proclamons le règne de Jésus-Christ. And we proclaim the reign of Jesus. Le règne de la délivrance. The reign of deliverance. Le règne de la guérison. The reign of healing. Le règne de la paix. The reign of peace. Le règne de la paix. The reign of peace. Le règne de la paix. The reign of peace. Si tu es l'esprit des eaux, if you are a spirit of waters, et que tu ne devais pas partir avec les autres, and that you don't want to go with the others. Parce que toi tu es dans une autre eau. You because you are from another water. Va-t'en. Go. Nous ne voulons aucun esprit venant des eaux, aucun esprit des eaux. We want no spirit from waters, no spirit from the waters. Esprit méchant. Wicked spirit. Quelle que soit l'eau dans laquelle tu as été invoqué. Whatever the water in which you've been quelque called, soit ce qu'on a sacrifié à cette eau, whatever have been sacrificed to that water, c'est annulé. It is cancelled. C'est annulé. It is cancelled. C'est annulé. It's cancelled. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Depart. Ne reviens plus jamais. Come no more. Va-t'en. Go. Kora baka shaka baka. Kora baka shaka baka raka baka shaka. Même si c'est une mer, l'océan, même si c'est l'eau dans un petit canari. Even if the ocean or the sea or water in a little boat. Et tu te dis moi je suis une petite eau dans un canari, je ne suis pas concerné. And you say that you are a little water in a little boat. Tu es concerné. You are concerned. Va-t'en. Go. Nous cassons ce canari. We break that. Nous versons cette eau. We et nous te chassons. And we cast you out. Va-t'en, va-t'en, go, va-t'en. Go. Si tu es un esprit, if you are a spirit, qui gardait quelqu'un, who was keeping someone, quand il était bébé, tu étais avec la personne. When he was a baby, you were with that person. Et tu ne veux pas partir. And you don't want to go. Parce que tu te dis que tu as travaillé. Because you tell yourself that you have worked. Tu as fait un mauvais travail. You've done a bad work. Dieu n'a jamais prévu ce travail. Your God never planned that work. Arrête. Stop. Et sors. And get out. Arrête ce travail. Stop that work. Et sors. And get out. S'il y a dans cette foule, if in this there is an a spirit qui suit quelqu'un that follows someone depuis l'enfance, since his childhood, et il ne veut pas le lâcher, and he doesn't want to leave him. Va-t'en, va-t'en. Go, go. Ramasse tout ce qui t'appartient. Take all that belongs to you. Tu pars. You go. Ramasse tout et va-t'en. Take all and go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va. Go. Partez. Go. Partez. Go. Partez. Go. Partez. Go. Ne poursuis plus la personne. No more follow the person.
Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Ne poursuis plus cette personne. No more follow that person. Oh, tous les hommes appartiennent à Jésus. Oh, all men belong to God. Tous les hommes appartiennent à Jésus. All men belong to Jesus. Et la parole de Dieu dit. And the word of God says. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qu'il aime. The angel of the Lord encamps. Les hommes n'ont pas besoin des démons. Men do not need demons. Ils ont besoin des anges de Dieu. They need the angels of God. Sors, va-t'en. Get out and go. Arrête ce que tu Stop fais. Stop what you are doing. Va là où tu es venu. Go from where to where you went, you came from. Kora bakasha bakasha kabakara kabakasha kora bakasha gara bakasha kora bakasha kabakasha kabaka kora bakasha Va-t'en vite. Depart speedily. Va-t'en. Go. Soyez concentré, le Seigneur est en train de travailler. Be focused. The Lord is working. Il n'y a aucun endroit où le démon peut se cacher. There is no place where the demon can hide. C'est le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. It's the Lord who created heaven and earth. S'il monte dans les cieux, il rencontre le Seigneur là-bas. If he goes up into heaven, he meets the Lord there. S'il entre dans la terre, le Seigneur est là-bas. He gets down in the earth, the Lord is there. Il n'y a pas d'endroit sur terre. There is no place on earth. Même dans le monde invisible. Even in the invisible world. Tends ta main de l'autre Stretch côté. Your hand. Dis Seigneur, donne la victoire aux frères. Say Lord, give victory to the brethren. Tends ta main devant là-bas. Dis, Stretch your hand la there. Victoire aux frères. Say Lord, give victory to the brethren. Tends ta main vers ceux qui sont derrière. Dis Seigneur, donne Stretch la your hand here. Say Lord, give victory to the brethren. Dis qu'aucun esprit ne se cache. Say, no spirit hide himself. Maintenant. Now. Dis Seigneur. Say Lord. Continue ton travail. Continue your work. Mets la lumière dans les ténèbres. Bring light in darkness. Mets la lumière dans les ténèbres. Bring light in darkness. Mets la lumière dans les ténèbres. Bring light in the darkness. Mets la lumière dans la racine du rocher. Put light in the root of the rocks. Renverse tout ce qui est debout. Pull down anything that is stood. Contre ta gloire. For your glory. Que toute personne, let any person, qui a été envoûté, who been bewitched, et dont l'âme est dans un reptile, who been bewitched and is in the womb of a reptile, ce qui fait que rien ne marche, and that causes nothing is working in the life of that person. On parle, il ne comprend rien. You speak, that person doesn't understand. Il fait des choses comme un enfant. He does things like a child. Nous vendons le ventre de ce reptile. We divide the belly of that reptile. Nous libérons les captifs. And we release captives. Vis au nom de Jésus. Live in the name of Jesus. Nous te sortons de cette prison. We take you out of that prison. Et nous commandons que tu vives. And we command that you live. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que tout esprit. Let any spirit. Qui joue le rôle d'un mari de nuit. Who plays the role of a husband in the spirit. Tout esprit qui joue le rôle de mari de nuit. Any spirit that plays the role of a spiritual husband. Quel que soit le lieu où il réside. Whatever the place where he resides. Nous le poursuivons là où il est parti. We pursue him where he is. Nous te jugeons au nom de Jésus. We judge you in the name of Jesus. Tu ne touches plus à cette fille. You touch, no more touch that lady, that girl. C'est un enfant de Dieu. She's a child of God. Tu ne la touches plus. No more touch her. Tu laisses tout ce qui lui appartient. You leave anything that belongs to her. Va-t'en maintenant, ne la touche plus. Depart now, touch him no more. Va-t'en. Go. Marie de nuit. Spiritual husband. Ou toi qui joues ce rôle. You who are playing that role. Tu peux être le père ou la mère. You may be the father or the mother. Nous condamnons les œuvres des ténèbres. We condemn the works of darkness.
Laisse cet enfant, va-t'en, sors. Leave that child and go. Ne la touche plus. No more touch her. Nous libérons son mariage. We release her marriage. Si, si c'est un foyer, nous libérons son foyer. If it is a household, we release her household. Esprit de colère. Spirit of wrath, anger. Va-t'en, sors et va-t'en. Get out and go. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus.